Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Alors, plus de 50 ans de carrière, on l'a dit, mais qui est pour vous, Dave? On a posé la question dans la rue. Voici non pas un vulgaire micro-trottoir, toujours monté pour être flatteur avec l'invité, mais un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, mais sans montage. On a tout laissé. Oula. Dave d'avant, de maintenant et toujours, mais oui. It's very famous, it's popular. Dalida, je crois. Un truc comme ça, je crois. Non, pas Dalida, un autre truc, je sais plus ce que c'est. Vanina, non. C'est ça, c'est un bel homme. Il est classe. Il est beau, il est blond. Et vous aussi, vous êtes pas mal. Il est toujours souriant, il s'éclate de rire facilement, je pense. C'est pas un Québécois ou... Non, il a un accent. Tu connais Dave, toi? Non. Non? Il est drôle à la télé. On le voit à la télé, non? Ah, sur M6, là. Mais si! Je suis contente qu'il y ait encore des chanteurs de cet âge-là qui sont dynamiques. C'est un mec génial. Sans trucage, bon, à part la petite taxe sur l'âge, les gens vous adorent, Dave. Vous avez non seulement un taux de notoriété énorme, mais une cote de popularité. Oui, c'est très agréable. C'est très agréable, c'est vrai. Parce que c'est surtout très surprenant, parce que moi, je me souviens au lycée, c'était un lycée avec 700 élèves, et on avait une espèce de comité pour représenter les élèves, et je me suis inscrit parce qu'on vote pour moi, quoi. Ouais. Et sur 700 voix, j'en ai eu 60. C'est vrai? Et j'ai donc compris, à partir de ma causticité ne rend pas populaire. Et après, quand j'ai devenu chanteur populaire avec Vanina et tout ça, j'ai dit, mais il faut essayer d'être à la hauteur de ça, quoi. Essayons d'être sympa. Mais voilà. Aux Pays-Bas, dans votre pays, vous êtes inconnu. Je suis pas inconnu, je suis connu pour celui qui marche en France. Ah, d'accord. Et ça se bluffe, parce qu'un jour, un talk show hollandais, le mec m'a dit, comment vous pouvez vivre en France avec ces gens nombrilistes, prétentieux, arrogants? Je dis, mais je passe inaperçu. Son nouvel album s'appelle Souviens-toi d'aimer. Dave est notre invité jusqu'à 18h.